C'est de notre ancrage, c'est-à-dire c'est de notre discipline personnelle nous donnant des moments de repli, de recul, de pause, de mise à jour du système, hein, que naît la clarté pour l'action. Donc plus nous sommes ancrés, moins nous nous engageons dans des pratiques, dans des décisions, dans des situations, dans des équipes qui vont être énergivores, mangeuses de notre vitalité. Je vais être vraiment claire, hein. Je remets les chevaux devant la charrue. La vitalité ne se construit pas, je vais choquer, en mangeant des vitamines. Enfin, je n'ai pas d'avis sur les vitamines ou pas les vitamines. La vitalité est un sous-produit de notre capacité à entendre et aimer et accompagner favorablement notre machine physique. Hein? Et la grande question après, oui, mais je suis à plat. Ben, comment je fais? Ben, quand on est à plat, la première chose à faire, c'est de se poser, c'est d'interrompre le mouvement du hamster dans la machine là, qui va nulle part et qui continue à manger les forces. Et donc malheureusement, parfois, ou heureusement, dans mon cas, hein, initial, c'est la maladie, l'obstacle, la chute, le mal de dos qui va nous forcer, c'est un comble, à redonner à nos forces de vie, la vitalité, c'est l'expression de nos forces de vie, la priorité. Et donc moi, mon travail, mes bouquins, tout ça, c'est de créer des chemins qui permettent d'intervenir comme un acupuncteur, hein, en médecine ou une acupunctrice, ou un bon médecin tout court, c'est d'intervenir avant que nous soyons rongés par des forces de type mortifère. En énergétique, là, il y a vraiment, en feng shui en particulier, il y a vraiment les forces de vie. Les forces qui favorisent la naissance, le shang-chi, et puis les forces tueuses, le sha-chi. Hein. Et donc, ce que l'on va faire à tout moment, mais pas simplement dans les lieux, c'est scanner et tenter d'éviter au maximum des forces qui viennent nous réduire. Et puis, ça peut être une personne qui, systématiquement, on va la voir et on vient, on n'est pas en forme. On est en forme quand on y va, on revient, on n'est pas en forme. À un moment donné, il faut faire les comptes. Ce n'est pas vous qui déconnez. Bon, bon. Et puis, donc, systématiquement, identifier ça et puis tenter, hyper important, sur le long terme, du jour au lendemain, c'est des fois très, très difficile de changer. C'est toujours. Et puis, ça prend plus de force de changer du jour au lendemain. Et puis, de l'autre côté, de systématiser dans nos journées des forces de vie. Donc, par exemple, là, tu as ces magnifiques arbres derrière toi. Moi, il se trouve que je les ai devant moi. Hein, ça m'accompagne. Tu nous nourris avec ces forces-là. Moi, ça accompagne je veux dire, le moment parce que le vivant est à l'extérieur, même si on est à l'automne. Okay. Donc, l'ancrage est une des conditions sine qua non du retour ou du renforcement de la vitalité.